défilé au cinéma, mais dans une émission spéciale avec un cinéaste, Hubert Viel. Bonjour Hubert Viel. Bonjour. Nous allons présenter une œuvre tout à fait étonnante, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et il nous a semblé important de faire un zoom, comme on dit, un long zoom avec vous pour que vous nous présentiez bien ce bon film. Alors, Hubert Viel, vous êtes très jeune, vous avez déjà fait un premier film qui s'appelait Artemis, cœur d'artichaut. Comment décide-t-on de devenir cinéaste? Qu'est-ce qui vous a... Vous êtes de famille, cinéaste, de cinéphile, comment? Non, pas du tout. J'étais pas du tout... je suis pas du tout un enfant de la balle, comme on dit. Oui. Non, moi, je suis d'une famille d'agriculteurs, donc ça n'a rien à voir. D'accord. Dans le cheval. Oui. Donc j'ai un peu fait la rupture. Et voilà, je suis venu... finalement, un peu par hasard, parce que je ne savais pas trop si je voulais faire de la musique, écrire ou faire des films, je ne savais pas. Et puis, à un moment donné, on nous dit, voilà, là, tu as ton bac, il faudrait que tu fasses quelque chose. Donc, je fais, je vais faire une école de cinéma. Voilà. Et en fait, c'est juste comme ça. Je n'étais pas spécialement un grand cinéphile avant de faire cette école. Et voilà, donc je suis tombé dedans petit à petit, et puis voilà, c'est devenu une vraie passion pour le coup. Et puis surtout, c'est que c'est devenu mon métier, quoi. Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que vous avez hésité entre l'écriture, la musique, et qu'en fait, vous écrivez des livres avec vos films. Artemis, cœur d'artichaut, et il y a des histoires. Alors, l'histoire d'Artemis, cœur d'artichaut, d'abord... Vous aimez la mythologie, vous aimez les figures historiques, vous aimez décrypter la réalité aujourd'hui en utilisant l'Antiquité ou le passé, ou les figures du passé. Ouais, j'aime bien réactiver des vieilles figures, que ce soit des personnages, que ce soit des dieux ou des personnages historiques. Ou même inventer des personnages, comme je l'ai fait d'ailleurs dans Les Filles au Moyen-Âge. Oui. J'aime bien savoir ce qu'ils ont à nous dire. Et surtout, c'est que j'aime bien la confrontation entre le contemporain et... Enfin, qu'a à nous dire le passé, quoi. Ouais. Alors, ça peut être le passé... La leçon du passé. Oui, alors ça peut être le passé historique. Là, en l'occurrence, l'histoire de France, là, pour les filles au Moyen-Âge. Ouais. Mais ça peut être la mythologie... Pour Artemis. Alors Artemis, ouais. C'est une espèce de... Comment est-ce que vous raconteriez l'histoire d'Artemis, Hubert Viel? Alors Artemis, en deux mots, c'est la déesse de la chasse, oui. Qui est d'une certaine manière... donc Artemis, déesse de la chasse pour les Grecs, qui est en quelque sorte... c'est un peu la déesse mère des préhistoriens, quoi. Mmh. La vieille déesse mère. Mmh. Puisque à la base, Dieu est une femme, hein, dans les civilisations préhistoriques. Et c'est un peu la déesse qui a récupéré un peu ce fond-là, quoi. Mmh. Donc une déesse qui est très, comment dire, très proche de la nature. Donc c'est la déesse de la maternité, des animaux, des enfants... Du passage à l'âge adulte, des forêts... Du temps, du climat. Du climat. Puisque Artemis va invoquer les éclairs. Oui, alors ça c'est... Pour pas... débarrasser son ami de... Ça c'est pas dans ses attributs, mais je voulais... Mais c'est la fille de Zeus. Donc... C'est la fille de Zeus, voilà. Donc, bon. Elle invoque son père, et Zeus intervient. Voilà, c'est... Et voilà, donc c'est ce personnage... que j'ai fait catapulter dans aujourd'hui. Donc évidemment qui est complètement perdu, quoi. Comme si une prêtresse de la Grèce archaïque arrivait aujourd'hui dans une ville de province, une grande ville de province en France, donc en l'occurrence Caen, ouais. Ville pas innocente puisque c'est une ville qui a été rasée, quoi. Donc ouais. C'est une ville qui est architecture très moderne. Ouais. Et,
Et voilà, et qu'est-ce que ce personnage peut nous dire? Donc évidemment, il y a tout un décalage, parce que moi j'aime bien aussi l'ironie, l'humour, la fantaisie, etc. Donc je mets ce personnage-là face à des... J'en fais une étudiante en lettres, j'en fais une adolescente en fait, une personne un peu paumée entre l'enfance et le monde adulte. Oui. Elle n'est bien d'ailleurs qu'avec les enfants, c'est une excellente babysitter. Elle se sent bien qu'avec les enfants et les animaux. Et les animaux. Voilà, et surtout, c'est qu'elle ne supporte pas les hommes. Mais ça, c'est comme dans le personnage mythologique. C'est qu'il ne faut pas l'approcher à moins de 10 mètres, hein, sinon c'est la punition fatale. Et voilà, donc j'ai voulu récupérer ça. J'ai voulu en faire une sorte de road trip entre cette étudiante en lettres qui est un petit peu comme déguisée en déesse. Qui apparaît de temps en temps habillée avec le costume de déesse et son arc. Elle apparaît dans des visions. Son arc, oui. Elle a des vrais pouvoirs magiques. Alors je me suis amusé à faire un traitement très naturaliste avec des caméras épaules, très nouvelle vague, et en même temps avec des éléments surnaturels. Voilà, et donc c'est la rencontre quasi amoureuse entre cette... amoureuse, j'utilise le mot amour au sens générique du terme. Une vraie amitié. Une vraie amitié. Fusionnelle. Voilà. Très chaste. Non, très chaste. Mais Artémis, c'est chaste. Hein, Voilà, elle demande d'ailleurs la virginité éternelle à son père. C'est parce qu'en fait, je me suis appuyé, j'ai carrément conservé certains fragments du texte du poète grec qui s'appelle Callimaque. Oui. Qui avait écrit les odes, comme les odes, les poèmes homériques. Là. C'est ça, oui. Voilà, donc j'ai carrément utilisé des fragments que j'ai laissés tels quels. Donc c'est la rencontre entre cette figure très mélancolique, cette jeune fille, et avec un autre personnage qui est très important, hein, qui est le personnage de Callisto, qui est c'est de la dynamite. C'est de la dynamite, exactement. Qui est donc tout le contraire. Ouais. Donc c'est qui consomme des hommes toutes les nuits. Qui consomme, c'est plus... elle est plus... là, c'est plutôt le dieu Pan, quoi, ou la nymphe exaltée des forêts. Avec une petite bouille délicieuse. Voilà, mais en tous les cas, ce sont deux personnages un peu restés en enfance. C'est deux femmes enfants. Et voilà, c'est cette rencontre-là, un road trip. Alors bon, le road trip, c'est pas sur la route 66, hein, c'est sur la nationale qui va de Caen à Cherbourg. Chacun son périple. Mais c'est magnifique, hein. Absolument. La Hague. Et donc elles vont. Elles s'échappent en voiture. Elles vont traîner du côté de la Hague, Alors ce que j'aime bien la Hague, c'est que vous avez des paysages absolument sauvages, magnifiques. Mmh. Et en même temps, vous avez cette centrale qui a été posée comme ça, comme une maquette, comme si on avait posé vraiment la maquette grandeur nature. Donc je filme bien la centrale, même si c'est interdit, mais bon, c'est pas grave. donc c'est une confrontation entre le monde... comme si on avait encore ce monde à l'intérieur de nous, ce monde, de nature, quoi, enfin des quatre éléments, quoi, d'une certaine manière, confronté à ce monde contemporain. Et j'essaye de faire naître à la fois une grosse mélancolie et en même temps du décalage. Et ça, c'est le même principe que j'ai utilisé pour le film dont on va parler tout à l'heure. Pour les femmes au Moyen-Âge, oui, absolument. Alors, une dernière question. Cette jeune femme se réclame de la virginité et qui n'a absolument aucune envie de tomber dans les excès de sa bonne amie, vous avez voulu faire quoi? Vous écrivez en quelque sorte une réaction à trop de propagande sur le sexe, ou qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ça? Non, mais ça, c'est parce que vous voyez ce film à la lumière du suivant, peut-être. Oui. Non, je l'ai vu d'abord. Ah, oui, d'accord. J'ai vu Artémis, j'ai voulu commencer, pour bien vous étudier, j'ai voulu commencer rationnellement par le premier. Ah, ouais.
Non, qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu montrer une féminité et un personnage que j'ai moi-même peut-être connu dans la réalité. J'ai connu plusieurs figures féminines qui ressemblaient un petit peu à ça. Oui. Enfin, à elle. À elle, pardon, oui. j'ai voulu rendre compte de ça, donc de ces personnages de femmes-enfants bloquées dans des périodes antérieures, bloquées dans quelque chose dans lequel elles se protègent. Bon, là, il y a deux figures opposées, une très mélancolique qui a une blessure. Apeurée, on dirait une biche apeurée. Voilà. Et qui a quand même, il faut le souligner, une blessure d'enfance. Puisqu'elle était abusée quand même, faut bien le dire. Et une autre qui est l'autre pendant, donc qui est toujours une femme enfant, mais qui décide de vivre sa vie dans l'explosion, quoi. Et dans l'instant. Dans l'instant, et ouais, c'est vraiment le carpe diem là. Et dans le rire aussi. Et dans le rire. J'avais besoin de ce personnage qui... Dans le rire insolent, quand elle se lève dans le réfectoire de l'université en faisant cette annonce, je cherche une coloc. Ouais, bien sûr, ouais, c'est un personnage qui s'assume totalement. Quoi. Et c'est très, très drôle. Alors, venons-en à ce très beau film « Les femmes au Moyen-Âge », on est tout à fait perturbé parce que nous sommes élevés avec l'idée que le Moyen-Âge, c'est l'obscurantisme, c'est pas bien du tout, et vous nous campez un Moyen-Âge glorieux, et surtout... Surtout, vous nous campez un Moyen-Âge où les femmes sont reines, ce qui est évidemment une notion complètement interdite aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que le féminisme a gagné, et jadis, la femme était absolument esclave. Alors, c'est une idée extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui vous a... quel a été votre déclic pour traiter ce sujet? Le déclic... Bon, de toute façon, c'est toujours dur de retrouver les déclics. Oui. Mais vous rendez quand même hommage à... Non, c'est la lecture du livre de Régine Pernoud. De Régine Pernoud, que j'ai trouvé absolument fabuleux dans tous les femmes au temps des cathédrales. La femme au temps des cathédrales. La femme au temps des cathédrales. Livre que j'ai trouvé fabuleux dans tous les sens du terme. Alors, surtout pas dans le terme de fallacieux, évidemment. Mais, non. mais voilà. Et j'ai lu ce livre. Et ce qui est bien avec Régine Pernoud, c'est qu'il y a toujours plein d'anecdotes, quoi. Elle aime beaucoup les anecdotes. Donc, c'est pas du tout... C'est pas pesant. C'est pas pesant. Puis quand il y a une idée historique, on voit tout de suite avec plein de petits exemples. Donc on voit à peu près comment ça a pu se passer. Donc j'ai lu ce livre. Après, j'en ai lu bien d'autres. Mais c'est celui-ci sur lequel je me suis appuyé pour construire le scénario. Alors, vous avez eu une idée très jolie de faire jouer des enfants. Alors, la scène, nous sommes dans une maison, dans une petite banlieue dortoir avec des petites maisons, des petites boîtes, comme dit la chanson de Graham Wright. Et derrière, ces éoliennes pour toute végétation, un petit village qui vient de sortir de terre, puisqu'il n'y a pas de végétation, pas d'arbres, rien. Et trois petites filles qui sont réunis avec trois petits garçons. Les petits garçons, que font-ils? Ils jouent à... Les petits garçons sont bloqués dans le Moyen-Âge, on va dire... Virtuel. Virtuel et légendaire, qui est... Donc c'est un jeu vidéo médiéval fantastique, avec le fameux Moyen-Âge... Fantasmé. Fantasmé, donc c'est-à-dire le... le chevalier sans foi ni loi, la pauvre petite paysanne perdue,
Et la guerre permanente, etc., etc. Et des paysages dévastés, sombres, des arbres morts. Et qui déclenchent des sentiments très cruels chez les jeunes enfants. Il y en a un qui dit... alors, il y a un jeu, il y a une femme qui est enlevée, et l'autre lui dit, mais c'est pas grave, il va payer une rançon, il va la récupérer. Et le premier enfant dit, mais non, je préfère garder l'argent et laisser mourir la femme. Il y a des réactions très violentes, je trouve, devant ce jeu. Ah, ça, c'est parce que j'ai moi-même été un drogué des jeux vidéo quand j'étais adolescent. Ah, vous connaissez très bien ça. Et j'avais remarqué, plus du tout maintenant, hein, oui. Mais j'avais remarqué que ça rendait con, en fait. Non, c'est vrai. Bon, ben, merci de le dire, j'aurais pas osé le dire, mais vous le dites, donc. Non, mais c'est et vous connaissez, que... et vous le savez. Non, mais vous connaissez, je vais pas faire, je fais pas une croisade anti-jeux vidéo. Non, bien évidemment. C'est vrai que je me rendais compte, et mon frère se moquait de moi parce que ça me mettait dans des états de rage, alors que c'est totalement virtuel. Et effectivement, il y a un côté comme ça. Il y a une certaine forme d'énervement et peut-être de violence qui peut venir un peu. Et là, oui, effectivement, les enfants sont un peu infects, les garçons sont tout à fait infects, surtout quand la petite fille chez qui nous sommes, donc Léana, leur demande de jouer avec... Leur demande, parce que c'est l'anniversaire de cette petite, leur demande d'arrêter et qu'on joue ensemble. C'est ça. Et donc elle aimerait jouer éventuellement au Moyen-Âge pour de vrai. Pour de vrai, c'est donc très joli comme expression. Ouais, voilà. Et alors là, intervient Michael Lonsdale, que vous avez eu l'idée géniale de faire interpréter un grand-père qui va ouvrir un livre. Et c'est là où on voit quand même toute la différence entre le livre et le jeu vidéo. Oui, voilà. Alors... C'est-à-dire que les petites filles s'attendent à jouer une sorte de jeu de rôle comme ça dans le jardin où elles seraient des princesses. Des princesses prisonnières. Prisonnières. Qui ne pourraient rien faire. Bah, qui seraient dépendantes de la volonté des chevaliers. Ou alors des sorcières qui se font persécuter par des prêtres. Ouais. Voilà. C'est la caricature habituelle. Ou éventuellement, une paysanne qui doit travailler le dos courbé toute la journée et puis faire une dizaine d'enfants. Bon, bref. Donc voilà. Et là, Michael Lonsdale, le sage, dit « Non, mais les filles, c'est pas... » C'est pas du tout ça. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Ou en tout cas, c'est peut-être pas forcément que comme ça. Donc, il sort un livre qui n'existe pas, qui porte le titre de mon film, qui s'appelle « Les filles au Moyen-Âge ». Et à partir de là, on est plongé... Et il raconte. On est plongé pendant une heure et quart dans ce Moyen-Âge que je présente comme une frise temporelle avec des petits épisodes, un film à sketch finalement. Et des périodes d'émancipation de la femme successives et de plus en plus grandes. Alors ça commence mal, puisqu'on est en Gaule, et qu'en Gaule, vous présentez carrément une scène de lapidation, une femme attachée à un poteau parce qu'elle a été accusée d'adultère, et tout, dans ces cas-là, c'est toujours la femme, évidemment, qu'on attaque. L'homme n'y est jamais pour rien. Alors, par un raccourci, si vous voulez, on pense à d'autres scènes d'adultère aujourd'hui, et on se dit, finalement, dans la Gaule romaine, c'était déjà comme ça. Oui, bah oui. Alors, c'est comme ça aussi que commence le livre de Régine Pernoud. Ah oui, bien sûr, parce que Régine Pernoud, elle insiste, il y a longtemps, oui. Elle insiste bien sur la rupture qu'il y a eu, ouais. Qu'a apporté le christianisme à la fin de l'époque romaine. Ouais. Et cette rupture, elle est d'autant plus nette quand on regarde la condition de la femme. Puisque la femme, sur l'Empire romain, c'est vraiment un objet, quoi. Oui, oui. Elle n'a aucun droit, oui. Elle n'a strictement aucun droit, elle appartient à son mari. Et le mari a le droit de la tuer, justement, si elle le trompe, hein, par exemple. Donc, je me suis dit, tiens, mettons en scène ça, je vais faire un procès, et on va, justement, faire le procès sous l'Empire romain, puis le procès... à l'époque du premier
du premier Moyen Âge, c'est-à-dire la période des mérovingiennes, quoi, des Francs. Et voyons la différence. Et là, bon, je le fais de manière très symbolique, parce que déjà, bah, d'une part, j'utilise la lapidation, qui est une pratique, qui n'est pas une pratique romaine, mais juive. Non, parce que j'avais fait valider mon scénario par un historien. Mais je ne sais plus pourquoi, je sais plus quelle était la pratique romaine, si c'est peut-être pas l'écartèlement, mais un truc... enfin, aussi peu sympathique. Une pendaison, je ne sais plus, mais je trouvais la lapidation était... très cinématographique, j'aimais bien. C'est-à-dire qu'elle est, elle est méditerranéenne, surtout. Il y a une scène de... vous vous souvenez de Zorba le Grec. Il y a une scène de lapidation d'une femme qui est isolée et qui une très belle femme que tous les autres, que les hommes du village désiraient. Et comme elle ne se donne à aucun, elle finit lapidée. Ah ouais, bien sûr. Vous vous souvenez de cette scène ? Ah ouais, je me souviens très bien. Ouais. Et voilà, et donc je, de manière très symbolique, je fais carrément intervenir le Christ. Donc il y a le procès sans le Christ et le procès avec Christ. Oui. Et voyons la différence avant, après. Hein, on voit un petit garçon avec une barbe bien noire. Voilà, et voilà, donc et le Christ arrive de manière totalement inattendue. Et bien dire, non, non, mais vous n'avez pas le droit de traiter la femme comme ça, chacun mérite le pardon. Ouais. Et l'homme, la femme et l'esclave sont maintenant égaux, quoi. Voilà, bon, c'est la... La thèse. C'est la thèse, c'est la révolution du Moyen-Âge. Ouais. Le Moyen-Âge, c'est la parenthèse entre ce monde antique tribal où l'autre, enfin celui de la tribu... extérieur est un barbare, ou un ennemi. Ouais. Et où on peut le réduire en esclavage si on le capture. Bien sûr. C'est cette parenthèse qui commence avec l'interdiction de tout ça. Donc il n'y a plus de tribu. Hein. Jésus dit bien que les pratiques tribales sont notamment alimentaires. Ne servent à rien, quoi. Enfin, et cette parenthèse, ce qui est intéressant, hein, parce que c'est les barbares envahissent, enfin, la rencontre entre Rome et les barbares se synthétise grâce au christianisme, hein, parce que les barbares ont très bien adopté le christianisme, puisqu'ils avaient finalement une philosophie qui correspondait presque peut-être mieux à celle du Christ que les Romains eux-mêmes, philosophie totalement anarchiste et libertaire. Parce que moi, j'insiste vraiment sur le côté anarcho-communiste, en utilisant un terme évidemment totalement anachronique du christianisme. Oui. Je n'ai pas senti vraiment le communisme arabe. Je suis très très après voilà, hein, c'est pas. Je dirais, on peut pas dire communautaire, mais on dirait. J'ai envie de dire. Non, mais oui, de la communauté, ouais. J'ai envie de dire le bien commun de son village, le bien commun de sa. Oui, mais c'est ça, mais voilà. Et de toute façon, anarchisme et communisme sont des termes qui ont été inventés au XIXe siècle et qui sont là pour se faire des séparations, quoi. Oui. Mais en fait, tout ça, c'était déjà... Oui. Le Moyen-Âge, il est anarchiste, communiste, il est même libéral, puisqu'il n'y a pas d'État, donc il est une synthèse absolument formidable. Donc, voilà. Voilà, et donc ce monde tribal disparaît, et ce qui est intéressant, c'est que le Moyen-Âge se termine avec la rencontre avec d'autres barbares, qui sont les Amérindiens, qu'on va réduire en esclavage. Donc, vous voyez un peu, c'est intéressant. Quoi. Donc un retour à la Renaissance, c'est le retour à l'esclavage, c'est l'apparition du capitalisme, et c'est surtout la femme... Et c'est la disparition. C'est la disparition. La baisse du de la condition des femmes. De la condition des femmes et la baisse du christianisme, puisque c'est le règne du rationalisme, le monde des Lumières. Oui, oui, bien sûr. Alors, ça, là, pour le coup, ça a mis plus longtemps le... Oui, bien sûr. Par contre, la condition de la femme, ça s'est fait dès la fin du Moyen-Âge. On voit, Régine Pernoud, elle en parle déjà pas mal. On voit que dès le XIVe siècle, ça commence à plus être comme avant. Il y a beaucoup moins de femmes, de grandes figures comme Aliénor d'Aquitaine. Bon, il y a Jeanne d'Arc, évidemment. Mais Jeanne d'Arc, elle est justement là pour...
C'est l'exception qui confirme la règle et elle est là pour redonner un souffle un peu final. Mais la condition des femmes sous Jeanne d'Arc avait déjà bien baissé. Oui, vous dites, il y a une phrase magique dans le film, c'est la fin du chevalier, la fin de la chevalerie. Le monde n'est plus chevaleresque. Le monde n'est plus chevaleresque. Oui, référence à l'amour courtois qui disparaît au XIVe siècle, effectivement. Voilà, et donc, et puis alors après, à l'âge classique, là c'est devenu carrément catastrophique, hein, la condition des femmes, puisqu'on a. Tout ça s'est fait beaucoup avec la redécouverte du droit romain, en fait. C'est-à-dire qu'on est à un retour à l'antiquité romaine, l'antiquité classique, attention, hein, pas archaïque. Non, non. Mais voilà, donc le droit romain. Qui fait en sorte qu'on a un État qui est de plus en plus bureaucratique, qui est très guerrier aussi, et des femmes qui sont quelque chose de martial, quoi, et des femmes qui doivent gentiment retourner à la maison et se taire. Voilà, jusqu'aux années 60, quoi, enfin, finalement. Parce que même le code napoléonien, il est extrêmement misogyne. Oui, absolument. Donc voilà. Mais là, on les sort de force de chez elles pour les mettre de force au travail. C'est un autre esclavage, en fait. Oui, avec la révolution industrielle, oui, c'est sûr que... Avec la révolution industrielle. Ouais. Alors, ce chant à la femme, parce que c'est votre film est vraiment un chant à la femme, puis alors c'est délicieux, parce que ce sont des petites filles qui représentent ces femmes avec une poésie magnifique. Il y en a une que j'aime énormément, c'est Sainte Euphrosyne, qui va... trouver de quoi faire du miel de lotus parce que Saint Cyril d'Alexandrie qui arrive dans le village en réclame. Et alors en 5-7 elle va se débrouiller. C'est une scène d'une poésie inouïe. Vous avez quand même une sacrée imagination. Je sais pas, en tout cas cet épisode là c'est un épisode assez à part puisque c'est d'une poésie inouïe. C'est vraiment un rêve éveillé et c'était. Je me suis pas du tout appuyé sur des éléments historiques. Non, là on est dans la poésie pure. Voilà, c'est une légende que j'ai inventée parce que je voulais parler chose très importante. Je voulais parler de théologie et je voulais parler du Concile d'Éphèse 431. Allez. Absolument. 431 Concile d'Éphèse. 81. Ah, pardon. Moi, j'ai marqué 481. Ah. Peut-être que je me suis peut-être trompé. D'accord. Concile d'Éphèse, début du christianisme, enfin, en tout cas, de l'Église chrétienne. Les théologiens décident de proclamer Jésus en tant que Dieu, de manière officielle. Oui. Sauf que logique, si Jésus est d'une certaine manière Dieu, ça veut dire que Marie est la mère de Dieu. Donc la mère de Dieu, qu'y a-t-il de plus sacré que ça? Donc finalement, ce concile d'Éphèse, on va être amené aussi à sacrer Marie, quoi, à la canoniser, quoi. C'est la première sainte. Bon. Et je voulais, c'était un petit peu compliqué de parler du Concile d'Éphèse. Vous le faites comme un jeu. Voilà, donc je l'ai fait comme un jeu. Avec un puzzle. Voilà, et je me suis amusé à ridiculiser ces prêtres, mais gentiment, hein, je ne me moque pas d'eux. Gentiment, oui. Mais j'en ai fait des prêtres qui sont au début très misogynes, qui ne pensent qu'à manger. Donc celle d'Alexandrie arrive. ils embêtent cette petite servante qui s'appelle Euphrosyne. Donc lui il arrive, il veut manger, alors il veut manger un peu de tous les plats qui se font à Éphèse. Alors bon, voilà, le lendemain il demande du miel de lotus qui est un miel très rare qui ne se fabrique qu'en Perse, dont on n'a pas vu la couleur depuis le mariage de l'empereur, etc.
Et là, bon, bah là, c'est un peu le coup de massue pour cette petite servante qui se débrouille, qui est obligée de trouver du miel de l'Optus sous peine de licenciement, et qui va se démener pour en fabriquer elle-même. Alors là, je me suis amusé. Bon, là, c'est on revient à un peu à Artemis, hein, parce que c'est vraiment le la forêt, la source, très important, la source d'eau qui est. Il y a des très jolies scènes de campagne et de forêt dans votre livre. On sent que vous avez beaucoup parcouru la campagne. Ouais, parcouru la campagne, et puis c'est ma campagne aussi, c'est la Normandie. C'est votre campagne. C'est le pays d'Auge de mon enfance, que je connais bien, qui pouvait faire affaire de campagne d'Asie mineure. à la période du Concile d'Éphèse, et donc cette petite fille va se démener pour fabriquer ce miel de lotus elle-même en trouvant des lotus déjà en priant, parce qu'il y a quand même un truc avec la foi très important, en priant, ce qui fait que elle arrive par intuition, pas par intuition, mais en tout cas il y a un lotus qui lui vient à elle. Comme si Dieu lui répondait. Comme s'il lui était offert, voilà. Bon, après, il y a quelque chose de très panthéiste aussi dans cette scène. Non. En effet, il y a une grande présence du christianisme dans votre film. Vous êtes vous-même chrétien quel est votre... Disons que je suis un ancien athée. Vous êtes un ancien. Je suis un ex-athée. C'est joli. Je ne sais pas si je suis chrétien. On verra. Vous êtes sur le chemin de. Non, je ne sais pas. En tout cas, le matérialisme ne me convient pas. D'accord. Donc, voilà. mais je finis avec cette petite séquence de Frosine. Oui. C'est que pendant qu'elle fait sa quête du miel, oui. Pendant ce temps-là, les prêtres, les théologiens, eux, justement, se rendent compte en comparant les textes que Marie est sainte. Et que du coup, quand cette petite revient avec le miel, elle leur apparaît finalement en passant de servante qu'on traite comme une moins que rien, elle leur apparaît comme une déesse et donc ils se prosternent à elle. Et c'est le début de la glorification de Marie et d'une certaine manière de la femme. De la femme. Ouais. Et du coup, je clôt cette scène avec un tableau un beau tableau là qui se trouve au musée Crozatier au Puy en Velay, oui. D'une Vierge de Consolation. Oui. Donc les Vierges de Consolation, il y en a des très connues là, de Fra Angelico, etc. Piero della Francesca, c'est quand on a une grande Vierge avec un grand manteau qui a comme des ailes parce qu'elle est une envergure comme ça, et tous les personnages sous ses bras sont minuscules. Et celui que j'ai choisi, c'était celui où il y avait le plus d'hommes. Donc on a plein de petits bons hommes comme ça qui sont en train de prier. Et elle est énorme comme ça. Et c'est la phrase de Malraux. Hein. Pourquoi voulez-vous que cette religion... Pourquoi dites-vous que cette religion est misogyne alors que ces hommes passent leur temps à se prosterner devant des femmes? C'était la phrase de Malraux. Qui aimait beaucoup les femmes. Voilà, et c'est un peu ça pourrait être la phrase un peu de guide de mon film. De votre film, oui. Alors, il y a une petite séquence absolument délicieuse, on va passer vite, mais de la femme de Clovis qui essaye de calmer son mari hyperactif. Guerrier, c'est absolument délicieux. Et puis, ce personnage que vous mettez en valeur, qui est Saint Hildegarde, qui apparaît avec son petit accent allemand, et se rappelle de la création des hôtels-dieux. Ça, c'est magnifique. Oui, ça, c'est aussi un élément très important. Du livre de Régine Pernoud, c'est dès le début du Moyen Âge, hein, période Charlemagne. Enfin, on a des femmes qui prennent l'initiative, bon, diverses initiatives, hein, qui prennent l'initiative de créer des hospices au bord des chemins de pèlerinage. Ouais. Donc à l'époque, Saint-Jacques n'existe pas encore. Donc c'est Rome,
Et alors, elles construisent des hospices. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, tous les couvents sont des hospices. Donc tous les couvents, ce qui n'est plus du tout le cas, tous les couvents sont amenés à recueillir des gens tous les jours, soit des pauvres, soit des malades, soit des pèlerins, ouais. Etc. Donc voilà. Et moi, je me suis amusé pour cette scène à mêler deux événements historiques. Le premier, c'est le fait que les femmes étaient majeures avant les garçons. Oui. Voilà. Donc je mets en scène un. Mais c'est toujours plein d'humour, c'est inouï. J'ai essayé, hein, parce que. Il n'y aurait rien de pire que de se prendre au sérieux pour justement faire ressortir ces thèses, en fait. Vous avez des sœurs ? Non, j'ai pas de sœurs. J'ai pas de sœurs. Non, j'ai pas de sœurs. Voilà, donc on a. Des frères et sœurs jumeaux, donc une petite fille et un petit garçon, oui. qui ont le même âge. Oui, oui. Et la maman dit, ok, l'un de vous deux va être majeur, oui. aujourd'hui. Alors, il bombe le torse parce Alors, que... le garçon bombe le torse. Et en fait, c'est la fille, parce que au Moyen-Âge, les femmes étaient... Bon, de toute façon, même encore aujourd'hui, les filles sont souvent plus Mûres, précoces. Beaucoup plus tôt, oui. Voilà, et du coup, elles étaient majeures à 12 ans, oui. Alors que les garçons l'étaient à 14. Bref. D'ailleurs, on les mariait très tôt. Voilà, certains diront que c'était pour les marier de force plutôt. Mais bon, cela dit, Régine Pernoud dit bien qu'à 12 ans, elle pouvait choisir le métier qu'elle voulait, enfin, qu'il y avait une grande liberté. Voilà, et du coup, cette petite fille étant du coup adulte et libre, décide presque instantanément... parce que j'aime bien faire accélérer l'histoire de mon film, enfin le temps, oui. Devient créatrice, fondatrice d'un hospice avec une autre amie. Et voilà. Et c'est le début de. C'est la charité. C'est la charité, oui. C'est la charité chrétienne mise en politique, j'ai envie de dire. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi un autre aspect politique dans votre livre, c'est une critique radicale, mais pleine d'humour encore une fois. Alors, on voit une petite paysanne qui joue à qui fait mieux. Qui fait mieux un champ de blé, qui fait mieux un temple sacré. Et l'arrivée d'un clown, selon la petite fille, qui doit être échappé du cirque. Et en fait, c'est un homme d'affaires avec une petite attaché case qui va dire à cette petite fille qui vient de nous expliquer comment on plantait un champ de blé. Et cette espèce de croque-mort, parce qu'il a... Il a un habit de croque-mort. Il est en noir avec son attaché case. Et qui va lui expliquer quoi, Hubert Viel? Qui va lui expliquer les nouvelles méthodes de d'agriculture. En fait, c'est un personnage. Alors là, on est presque dans Les Visiteurs, hein, le film. C'est-à-dire que je ferai confronter un personnage qui vient du futur. Oui. Enfin, de notre actuel. Enfin, oui, notre qui vient, vie actuelle, enfin, pour le Moyen Âge. Un personnage contemporain, on va dire, je sais pas, Emmanuel Macron, quoi. Oui. Qui vient donner des conseils à ces paysannes anarchistes, j'ai envie de dire. Indépendantes, qui vivent leur vie. Voilà, et qui sont sur un mode... À qui personne n'a rien imposé. Qui sont sur un mode communautaire, en autosuffisance, en autogestion, etc., avec leur jardin médiéval. Et alors, lui, il arrive avec ses nouvelles méthodes. En l'occurrence, il propose de planter du chou... de manière intensive. Extensive. De manière à faire beaucoup de rendement. Et d'aller vendre au marché. Et pourquoi faire, dit la petite fille. Alors les filles ne comprennent pas. Alors il apparaît, vu qu'il a des habits différents, vu qu'il dit des choses étranges, elles ne voient pas forcément le mal. Donc il apparaît comme un personnage plutôt sympathique, de clown. Oui. Alors elle le traite de clown. Oui. Ah mais vous êtes un clown, alors on vous en veut pas, vous dites n'importe quoi. Mais parce que je pense vraiment que notre monde actuel pourrait passer assez risible.
bah, évidemment déplorable aussi, mais ouais. aussi vachement risible pour des gens du Moyen-Âge ou, ouais. ou d'autres périodes. Et voilà, je voulais montrer ça. Risible, mais aussi quelquefois tragique, puisque ouais, votre prochain ouais. film, c'est sur un milieu que vous connaissez bien, qui est le milieu de l'agriculture. Alors, mon prochain film, c'est un film sur, effectivement, un éleveur laitier. Bon, non, mais moi, je suis issu d'une famille d'éleveurs de chevaux, ça n'a rien à voir. Oui, enfin bon. De chevaux de course, donc c'est pas... Oui. Éleveur laitier, un éleveur laitier dans les années 80, avec les mesures libérales qui sont de plus en... Bon, de toute façon, les mesures libérales dans le monde agricole, elles sont là depuis, j'ai envie de dire... le 18e siècle, mais elles sont toujours plus accrues. Dans les années 80, il y a encore un gros coup de massue qui est porté avec... bon, bah voilà, hein, là, c'est la fin des... C'est le coup de bâton d'après les Trente Glorieuses, avec un exode du rural là, qui n'en finit pas, les grands, voilà, et surtout l'apparition des grandes surfaces en masse, et du coup de ces petits éleveurs laitiers qui sont obligés de se plier aux exigences des grosses compagnies agroalimentaires qui imposent leurs lois. Il y a les normes européennes qui arrivent aussi avec la PAC, etc. Donc, j'avais envie de parler de cette période, j'aurais pu prendre d'autres périodes, hein. Ça manque pas dans l'histoire des périodes de guerre contre la campagne agricole. Et voilà, c'est une famille qui essaie de s'en sortir avec... où on sait dès le départ dans le prologue que, un peu comme un oracle dans une tragédie grecque, que cet agriculteur va se donner la mort, quoi. Comme c'est le cas de... Beaucoup d'entre eux. De, je crois, un par jour. Oui, un par jour, je crois. En France. C'est un film là-dessus. Et puis toujours, alors je sais pas, un jour, il faudra que j'arrête. Mais c'est encore un film avec beaucoup, enfin, une présence de l'enfance très, très grande. Puisque là, les enfants vont essayer de comprendre pourquoi ça marche comme ça. Parce que les enfants, ils ont un truc en eux, archaïque, qui fait qu'ils ont un bon sens, en fait. Oui. Et on le voit et on le voit... j'ai pas d'enfants, mais moi, tous mes amis qui ont des petits-enfants, qui l'emmènent dans les bacs à sable, dans les parcs, ils ont des comportements très communistes, au sens... Oui. Il y en a quand même quelques-uns qui ne veulent pas partager leur pelle. Oui, hein. Mais ça vient après, en fait. Ah oui. Souvent, c'est parce que leur maman leur dit « Non, mais toi, tu fais bien attention, ça, c'est à toi, et tu ne touches pas à celui de l'autre. » Non, non, j'ai plein d'amis qui me disent ça. Ils disent « Non, non, mais les enfants, ils sont totalement anarcho-communistes, quoi. Ils veulent tout partager. » Ils partagent, oui. Voilà. Et voilà, donc c'est... les personnages principaux sont en fait finalement plus les enfants dans ce film. Ouais. Mais c'est fou ce que vous arrivez à... Et puis alors, ce qui m'étonne aussi, c'est leur capacité à dire le texte. Ils le savent par cœur ou ils lisent un texte ou comment... Non, ils l'apprennent par cœur. Vos textes sont très sophistiqués, c'est pas n'importe quoi. Oui, il n'y a pas d'improvisation dans mon... Enfin, il y a très peu d'improvisation dans mon film. Donc, ils apprennent leur texte par cœur. Donc, ils apprennent, c'est un... On a l'impression que vous êtes un excellent pédagogue, parce que je suis un ancien prof, je peux vous dire que... on sent bien que, d'abord, leur prononciation, la grammaire, tout est compris. On sent très bien qu'il y a une parfaite compréhension de ce qu'ils disent. C'est très, très intéressant. Bah, on va dire que les trois quarts du travail étaient faits bien avant le tournage, puisque c'est ça, ils ont été entraînés. Non, bien avant ça, en fait. Puisque le principal, c'était ce qui était très important, c'était de trouver ces six enfants qui puisse avoir toutes ces qualités requises, qui était quelque chose... Je demandais un peu la lune, quoi. Et en fait, j'ai eu la lune. Donc, c'est-à-dire que il fallait qu'ils aient déjà une très bonne mémoire, qu'ils sachent bien articuler, même s'il y en a un qui parle un peu dans sa barbe, c'est le cas de le dire. Oui. Mais il est tellement bon acteur que je lui pardonne. Oui. Et qu'ils puissent aussi avoir de l'humour. Du décalage et qu'ils puissent improviser. Alors quand je dis improviser, c'est pas improviser un texte n'importe quoi, c'est juste
la petite, la petite touche, le petit mot rajouté. La petite actualisation qui sera, voilà, qui rendra la scène authentique. Voilà. Et alors, ils ont été parfaits tous à ce niveau-là, selon moi. Heureusement, puisque si j'avais eu des enfants mauvais, le film aurait été insupportable, je pense. Oui, alors que là, ils sont extrêmement. Et voilà, forts. Donc c'est. Alors après, il y a quand même évidemment eu beaucoup de travail. Donc c'est-à-dire que. Mais à cet âge-là, ils ont l'habitude parce qu'ils apprennent des poésies, ils apprennent des tables de multiplication. Donc ils ont une très très bonne mémoire. Donc finalement, c'était pas ça le plus dur. Le plus dur était vraiment de donner le ton, quoi. Et en fait, ils ont très bien su le donner parce que je l'ai corrigé vraiment très rarement, en fait. En tout cas, merci beaucoup, Hubert Viel. On va terminer en proposant la bande-annonce de votre film et dire aux familles que, en fait, cet été, bon, ils peuvent aller sur Internet, ils tapent potemkin.fr et ils peuvent acquérir ce DVD et donc faire une soirée familiale. Ah bah c'est pas moi que ça va déranger. non, bien sûr, ouais, bah oui, si vous voulez. C'est vrai que plus personne n'achète de DVD aujourd'hui, alors. Je crois beaucoup qu'il faut recréer des ciné-clubs dans sa famille. C'est-à-dire l'atmosphère du ciné-club. Il faut regarder un film en famille. Oui, puis c'est important d'avoir l'objet, de l'avoir et de. Enfin, oui. Je vais pas faire de la publicité. Non, c'est... Voilà, c'est important quand on aime une œuvre, au même titre qu'un livre, d'avoir aussi le film. Quoi. Et de le regarder ensemble. C'est sûr que c'est un film qu'on peut regarder. C'est un film grand public. Hein. C'est un film grand public. Bon, il faut que les enfants soient un peu grands, parce que les premières scènes sur les femmes adultères, c'est déjà. Il faut expliquer. Mais c'est vraiment un film de grande sagesse, de grande vérité historique. Et vraiment, vous serez heureux, chers amis de TV Liberté. Je cherchais une expression, une leçon d'histoire décalée et poétique. Voilà, c'était la jolie définition qui a été donnée de votre film. Merci beaucoup, Hubert Viel. Et vous viendrez nous reparler de votre prochain film qui a déjà un titre ? Il a déjà un titre, il s'appelle Louloute. C'est le personnage principal qui est un enfant. Un enfant. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. À bientôt, chers amis de TV Liberté. Très bon été. Et regardez des DVD. Tu butes le paysan, tu kidnappes sa femme. Tu la prends en otage, tu demandes une rançon au seigneur s'il veut la récupérer. Vous entendez ça? Ils veulent rester encore 2 heures à jouer à ça au Moyen-Âge. Non! Vous savez que les femmes au Moyen-Âge n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Elles avaient beaucoup de pouvoir. C'est quoi ce livre? C'est comme une machine à remonter le temps. Vous leur rencontrez des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen-Âge. Un épisode totalement oublié de l'histoire. Installez-vous, mes garçons. Oui, ça va, pardon. Madame, je sais tout. Les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes faisaient, être médecins, savants, professeurs, écrivains, seigneurs. Avec l'amour courtois, c'est la femme qui est supérieure. Rapporte-moi le Graal. Tu auras mon cœur et tout ce qu'il y a autour. Veuillez excuser mon retard. Et ma petite Violette, elle est un peu lente. Les femmes prenaient soin à ce qu'il y ait des écoles gratuites pour tous. Il est scandaleux de traiter les femmes comme nous le faisons. Nicolas, son excellence. On a complètement déconné. J'ai jamais rien compris aux femmes.